Salam alaikum, Tel Dazoul, bonjour. Alors, je vais juste vous faire une mini vidéo pour vous parler de la convention de Malcolm sur la manipulation des compétitions sportives. Et il faut savoir que cette convention, à ce jour, est le seul texte international juridiquement contraignant en la matière. Bon, un texte contraignant. Juridiquement contraignant, c'est en fait quand on signe une convention, le droit contraignant, c'est les textes au caractère obligatoire qui désignent un engagement juridique international. Ce qui veut dire qu'un pays qui a signé cette convention est obligé de l'appliquer et il s'applique à lui-même déjà ses propres lois. D'accord? Là, il y a la personne qui est à l'origine de cette, entre autres, quoi, qui est à l'origine de cette convention. Je vous laisse 30 secondes avec et je reviens vers vous tout de suite. Et la convention est à vocation mondiale, c'est une convention internationale. Et les pays, en l'élaborant, ont trouvé que, okay, il faut qu'on fasse quelques bases juridiques, comme la définition de la manipulation de compétitions sportives, qui a désormais été adoptée par des organisations sportives et autres aussi. Plus-value, c'est que c'est international et c'est un texte juridiquement contraignant. Voilà, donc vous avez entendu, c'est un mini résumé. Je voulais juste mettre une précision sur cette convention, c'est que par exemple le Maroc, il l'a signé la convention de Malcolm en 2021. Bon, donc il est obligé de s'appliquer donc tout ce qui est contre la manipulation de match. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Je vous en dirai plus la prochaine fois parce que je voulais faire très très rapide. Et on va finir avec Gassama, qui désigne du doigt le principal manipulateur. Il dit, c'est lui, Lekja, le Marocain. Et pourquoi pas? Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Aller plus loin. Et grâce à la convention qu'ils ont signée, le Maroc, si l'enquête va beaucoup plus loin, faudrait dégommer ce gars-là. Grâce à cette convention qu'il a lui-même signée, que son État a signée. En tout cas, Gassama dit que c'est lui. Allez, main la main.